Non, ça va vraiment tant bien. Ouais, bah, on va pouvoir y aller. Bah, salut YouTube, c'est Descatapoil, et on se retrouve sur Dishonored pour la suite. Souvenez-vous, la dernière fois, on devait se débarrasser des cibles de manière non létale. Donc, on a envoyé le patron d'un abattoir de baleines, pas très très Charlie, aller à l'autre bout de la planète, dans des caisses, et là, on s'est occupé de l'oncle, de je ne sais plus comment, Timsh, pour... on l'a fait expulser de chez lui, en faisant croire qu'il y avait la peste, et il a tendu lui-même le faux certificat qui disait « Arrêtez cet homme, daté d'il y a un mois ». Et on s'est toujours pas fait repérer, on a tué personne, presque du premier coup, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Alors, je fais un petit peu de pub. Voilà. Et en fait, je suis un petit peu en retard parce que je faisais des Dunwall City Trials. Et juste comme ça, juste pour... pas pour me la péter ou quoi que ce soit, donc regardez, je vais pas dans un truc expert. Tiens d'ailleurs, je suis 49e. 49e mondial sur un try un petit peu chanceux d'ailleurs. Je pensais que ça marcherait pas. Celui-là je l'ai pas fait, celui-là j'ai pas fait, mais celui-là, 3e. Mondial. Enfin j'espère, peut-être, je ne sais pas. Ou alors il y a personne qui joue, mais surtout que c'est un truc où je galérais, où je plafonnais à 23 000. Et coup de bol. Voilà, mais bon, j'ai pas envie de me faire mousser, on n'est pas là pour ça. On est là pour finir la lame de Dunwall. Et rester discret et voir les succès popper dans tous les sens. Donc, hop, the knife of the wall. On va faire un petit... On va reprendre un petit peu avant pour se remémorer, parce que ça s'était arrêté juste avant la cinématique. Ah oui, peut-être que j'appuie aussi. Emily Caldwin est portée disparue. Donc en fait, j'ai fait exprès de... Toute personne fournissant des informations permettant de la retrouver sera récompensée. Me téléporter ici, puisque... Talia Timsh, voilà. Hop. Votre oncle s'est fait trop d'ennemis. La garde vient de l'arrêter. Oui, je regarde à gauche, je regarde à droite. Voici son testament, comme convenu. Voilà qui est bien. Mieux, sans doute.
Je vous ai promis des informations. Et de la thune. Soit. Mon oncle était sous le charme de Delilah. Elle l'obsédait même. Elle servait à Dunwall Tower avant d'étudier avec Sokolov. Elle était peintre, une artiste. Un rang social bien inférieur au nôtre. Mon oncle est tombé amoureux d'elle. Il semblait plus vieux et laissait les bougies allumées la nuit. Il avait peur du noir. Une nuit, nous sommes allés chez Waverly Boyle pour une séance occulte. Nous pensions nous distraire. Nous ne savions pas ce que nous faisions. En principe, seuls les morts peuvent être appelés. Mais soudain, Delilah est apparue dans la pièce. Mon oncle faillit mourir de frayeur. Elle était là, c'était troublant. C'était comme si elle se tenait très loin, au milieu du vieux manoir Brigmore, devant un chevalet ayant un nom. Votre nom d'Aude. Ah, oh, il y avait mon nom. Je n'en sais pas plus. Brigmore, il y a une extension qui s'appelle les sorcières de Brigmore. Du suspense. Il chez Philly. Il va pourrir en prison s'il ne l'envoie pas dans le quartier inondé. C'est mérité, après tout. Je vous ai peut-être mal jugé, Dode. Évidemment que tu as mal jugé. Êtes-vous prêt à partir? Tout ce que j'ai commis, c'était dans la cinématique. Allons-y. Donc voilà, là va y avoir l'écran des scores, donc ça veut dire que je ne me suis pas fait repérer. Sinon j'aurais l'air con. Oui, ouf. Et donc là, on rentre à la maison. Jessamine Caldwin était la seule à pouvoir rassembler cette ville. Voilà, sans elle, parce que je pouvais pas sauvegarder. La ville n'était plus qu'un vaste chaos de gardes, de superviseurs, de nobles, de géniards. Peut-être était-ce le monde que l'outsider avait toujours essayé de me montrer. Depuis des années, je voyais sur un vague ramassis d'anciens mercenaires, d'orphelins et de réfugiés. Avec fermeté et un brin de magie noire, en marge d'une ville sans pitié pour les innocents et les faibles. Ce monde allait peut-être s'écrouler aujourd'hui. J'ai revu Jessamine Caldwin agoniser, ses derniers instants de vie. Quoi qu'il puisse arriver, je le méritais, mais pas mes protégés. C'est la rédemption. Alors donc... Pas de faveur à acheter. Je sais plus qu'est-ce que j'avais pris parce que. Dalle de 15, oui, mais ça... c'est tellement rien. Je vais prendre ça parce que c'est. Ce serait bien utile. Un petit peu de charme d'os. Et le reste, on va. Voilà. Et c'est parti. Et donc là, on est dans une zone qu'on fait à l'envers de l'aventure principale. On s'est fait attaquer. Les superviseurs saccagent la base. Ils vous cherchent. Ils ont capturé plusieurs de nos hommes et leur chef occupe actuellement vos appartements. Allez, nous devons l'éliminer et libérer ces captifs pour reprendre le dessus. Je veux d'abord savoir comment ces fumiers s'y sont pris pour nous repérer. J'ai même pu rentrer chez soi tranquille. Il y a des squatteurs. Voilà. On leur fait un Airbnb et ils veulent même pas partir. C'est un journal, une maudite bouche de plus. Je m'en fiche un peu. D'ailleurs. Comment je peux l'éliminer? Ah oui, mais si je libère. On se réunit ce soir avec du whisky et des cigares? Il y a de bonnes chances. Oh là là là. Et moi, qu'est-ce que je fais? Attention. Tes paroles. Protéger à tous les deux.
Alors, qu'est-ce que j'ai comme charme que je peux... Spiritualité augmente. C'est bien ça. Oh mais non. Ça commence. Donc je rappelle, il faut pas qu'on se fasse repérer. Tu t'inquiètes pour rien. J'ai pas... Je n'ai pas pris l'agilité, d'accord. On va prendre... Combien de niveaux de plus de temporel, c'est vrai que si je peux prendre la deuxième, ça va. C'est vrai que je pouvais pas dropper le charme qui fait que j'assomme les ennemis beaucoup plus vite. Non, non, ça aurait été trop beau. Tu t'inquiètes pour rien. Oh. Sauvegarde. Les prisonniers sont sous contrôle et les interrogatoires sont perturbants. Tu vis tes derniers instants. Hein ? Quoi ? Comment je fais quand le jeu il fait ça? C'est-à-dire que je jette même pas, je le pose
mec ne me voit pas fait, hein ? Oh, y a un truc là. Qu'est-ce qui se passe ? Patience. Et tout. Appelez-le. Tu vis tes derniers instants. Parle ou crève, vermine. Ton sort m'indiffère. Dis-moi où il se cache. Je vais compter jusqu'à 3. Je ne vais pas rester inactif. Ah oui, j'aurais fallu que j'utilise mes fléchettes. Suis-je bête? Je sais que vous êtes là quelque part, ordure. Où êtes-vous ? Voyons qui se cache. Oh là 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 là. C'est brouillon. C'est extrêmement brouillon ce que je fais là. Je n'étais pas habitué à ça alors que juste avant je faisais des trucs de PGM, je me glissais derrière les gens. Totalement non détecté. Patience. Hop. Dude. Ça j'ai horreur quand ça fait ça. Tu vis tes derniers instants. Il m'a vu. Sérieusement. Patience. Il viendra. Et tu vis tes derniers instants. Parle ou crève, vermine. Ton sort. J'ai honte. Ça fait un quart d'heure que je suis planté là, quoi, en plus. Finir.
Allez. Patience. Toad. Puis tes derniers instants. Parle ou crève, Vermin. Ton sort m'indiffère. Patience. Ils viennent. Hé, Toad. Rappelez-leur qu'ils sont des superviseurs de l'abbaye. Ce Toad n'est qu'un mercenaire vieillissant qui perd. Tu vis tes derniers instants. Est-ce que je peux pas le faire sans. Sans même assommer l'autre? Patience. Allez, Toad. On va pas prendre de risque. Profite tes derniers instants. Parle ou crève, Vermin. Ton sort. Ça vaut peut-être le coup de ça ira. Où êtes-vous ? Que quelqu'un vienne ici ! Ah d'accord, en fait on peut pas leur passer devant quand même. Il faut tout de même. Patience, il viendra. Hey. Tu vis tes instants. Parle ou crève, Vermin, ton sort. Vous savez ce qu'on va faire, voilà, on va sauvegarder. Ce sera plus intelligent. Comment ça, tu le veux? On se réunit ce soir avec du whisky et des cigares? Il y a de bonnes chances. J'aime pas trop ça là. Dis-moi où il se cache. Ça vaut peut-être le coup de vérifier. Voilà. Bien. J'attends votre signal.
prends les deux. Je crois qu'il y en a 4 à sauver au total. Par hasard. Ah, et donc là il. Mais je fais pas attention aussi là. C'est pas évident, c'est pas facile tous les jours, hein. Moi je vous le dis. On aura une bonne vue d'ensemble. Voilà, il y a un assassin captif en bas. Qu'il y ait des cigares, n'en ai jamais douté. Thank you.
pièce. Oh mais non, j'étais totalement invisible. Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit. J'en ai jamais douté. Oh là là. Je fais pas attention, c'est pas bien, c'est pas bien. Je suis dissipé. Sipé. Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit ? Il y a de bonnes chances. On se réunit ce soir avec du whisky et des cigares, et il y a de bonnes chances. Tu n'as rien vu. Aux aguets là. Je vais devoir les sniper. Ça se tente. Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit ? En effet, je le pense. Donc là, il peut pas mourir en fait. Oh. L'autre, il me voit de dos.
se réunit ce soir avec du whisky et des cigares, n'en ai jamais douté. Je reste prudent, pardon. J'ajoute des sauvegardes, donc là. Je vois pas combien il y a de gardes autour en fait. On dirait qu'il y en a qu'un seul là. C'est par là. Voilà, j'ai d'autres copains captifs. On perd notre temps. Ils ne parlent jamais. Oh, il y en a trois. Regarde un peu. Tu vois cette grenade ? Je vais la dégoupiller d'une seconde à l'autre. Il ne restera aucune trace de toi. Dis-nous juste où trouver Dodd. S'il est si fort, il n'aura aucun mal à nous tuer, alors pourquoi le couvrir ? Ça vaut peut-être le coup de vérifier. J'attends votre signal.